Et paf, oh bonjour, bonne année. Hop, comment qu'on fait déjà Plein écran. Allez, magnifique Ok J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui, hein, comme c'est marqué dans le titre, pour ouvrir la première -On -A box de l'année. Euh, qui est toute petite. C'est pas... C'est pas fou. C'est tout petit. Donc oh bon, coucou Patouflette, et ce sera, coucou shakipu qui, qui a l'air très intéressé, la Winter Tea Party. Quoi Déjà, elle a survécu au glissade sur le verglas. Non mais ça va, non, alors, ça n'a pas encore techniquement gelé. Devant mon boulot, c'était euh, complètement gelé. Mais là ça va, c'est juste que j'ai une énorme descente enfin, et montée du coup pour euh, rentrer et partir de chez moi. Et j'ai fait à peu près tout le tour des Yvelines <laughs> pour réussir à ne pas me la taper au oh, cas je ne revienne pas vivant. Donc si on avait eu du bol, chose qui n'est pas arrivée encore euh, ce mois-ci, euh, nous aurions pu gagner la Mega Box. Et on aurait eu un lot de 7 figurines non -doroïdes. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais il y avait une figurine Sakura qui était trop mignonne. Voilà. En gros, bon, le jour où on la gagne, question con, mais ton chat, il s'appelle vraiment Chakipu ou c'est juste un surnom Alors, c'est avec un S, Chakipu, hein, déjà, mais non, c'est totalement un surnom, il s'appelle Kiyo, et ça n'a rien à voir avec euh, le groupe de pseudo-musique de merde, c'est en référence à l'esprit du chat qui est roux, comme mon chat dans le manga Fruit Basket, voilà, mais euh, du coup, je l'appelle toujours Chakipu, c'est vrai. Allez, petit instant, euh, découverte du Japon, n'est-ce pas comme à chaque fois Tant qu'à faire, autant que cet unboxing... Euh, très bien, merci Yoni, tu sors. Euh, sois culturel, n'est-ce pas Alors, à la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur la culture du Japon. Il va faire la vidéo avec moi aujourd'hui, je le sens. <laughs> oh putain, très bien les gars, ça va pas le faire. Les premières actions de l'année. Dans la culture japonaise, beaucoup d'événements sont liés au nouvel an dans beaucoup de domaines. On effectue la première action de l'année avec un terme pour chacune d'entre elles. Par exemple, la première visite d'un sanctuaire Shito le 1er janvier. Atsumode, les premières écritures de l'année, Kakizome ou encore la première cérémonie du thé de l'année Atsugama. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques informations sur ces deux derniers événements bien japonais. Atsugama, la première cérémonie du thé de l'année. En japonais, Atsugama veut dire littéralement la première bouilloire. Il s'agit d'un événement important pour tous les gens appartenant ou ayant un lien avec le domaine de la cérémonie du thé comme les geisha, les maiko ou les élèves et maîtres d'école de cérémonie du thé au sein de ces écoles. Putain, on va peut-être avoir un petit, un petit truc de service à ou une connerie comme ça oh putain mais non mais Game Run, tu vas pas t'y mettre aussi sérieux <laughs> mais coucou c'est pas possible ça dès que je lève la tête euh... <laughs> merde allez je ne lève plus la tête je ne vous lis plus <laughs> euh... nya, 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 sais. au sein de ces écoles c'est d'ailleurs le seul jour de l'année où tous les élèves peuvent se rencontrer mais avec aussi os... Mais c'est aussi le seul jour où le maître réalise un thé pour ses élèves. Euh, J'aimerais bien du coup qu'on ait, un... qu ait un costume de Gaïcha. Ah, alors écoute, si c'est un taille-enfant, ça rentrera peut-être dans la boîte. Sinon, la boîte est un petit peu petite pour qu'on ait un costume de Gaïcha. J'aimerais bien qu'on ait un petit, une petite tasse service à thé. On a eu un. La dernière fois, on a eu un, un petit bol en plastoc là, pour mettre le riz. Mais. Euh... Oh putain, d'accord. Alors. Euh, L'une des plus grandes écoles japonaises de la cérémonie du thé, Urasanke, organise dans la grande ville des événements pour le début d'année auxquels sont conviés les hommes politiques et les vedettes japonaises. Au total, plus de 4000 personnes assistent au Atsugama. L'origine des premiers Atsugama compte à 1565. Oh la vache! Mais, euh... Mais en fait, tu la connais par cœur, Gamron. C'est un peu flippant quand même. On ne peut pas être parfait, mais là... Euh... Ouais, ouais. <laughs> et du coup, nous avons... Donc ça c'était la cérémonie du thé, et nous avons Kakizome, les premières écritures de l'année, l'un des événements les plus populaires du début d'année au Japon, et Kakizome, Kaki qui veut dire écriture et Zome qui veut dire premier. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un événement lors duquel on écrit les premiers mots de l'année sous la forme de calligraphie. En général, les Japonais choisissent un mot qui les inspire parmi de nombreux mots en lien avec le Nouvel An. L'origine de cet événement remonte à l'époque Eyan. À cette époque, il était réservé aux nobles de la cour impériale. Au cours des siècles, il s'est ensuite répandu dans tout le Japon et à partir de l'ère Meiji, la calligraphie est devenue obligatoire dans l'enseignement. Kekizomia a donc pris de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, même si la calligraphie n'est plus couramment utilisée, elle est toujours enseignée à l'école. Le kekizome est donc le devoir de vacances d'hiver idéal pour tout écolier japonais. Voilà. On l'a bouffé celle-ci à la radio du boulot. Putain, mais vous écoutez quoi comme radio au travail ça passe pas hein, sur mes radios de vieux. Alors, comme d'habitude, ouverture, main innocente, hein. Et c'est parti. Alors, du coup, vu que c'est relatif quand même à l'hiver, à la cérémonie du thé, je tâte un peu pour voir. Il y a un petit truc là, il y a un petit truc mou. RFM, chérie FM, c'est moi qui mets. Bah, à la limite, RFM, chérie. Oh, quoi que... À la radio, il y a un taureau. À la radio, il y a un taureau. Quoi Et le taureau mue la vache. Me... Quoi Elle est sa mère toute la journée, à au boulot. Limite, j'ai envie de piancer. Okay. Je pense que c'est la bouffe, ça. Ah euh... Alors, ouais, je pense que c'est la bouffe. Euh, mais alors, je sais pas ce que c'est. Ah le poussin piou, putain, et le poussin piou, très bien. Oh je viens de manger, j'ai pas envie de me taper un truc dégueu qui va me faire vomir. J'ai mangé comme une grosse là. Euh, bon, on va ouvrir ça. Allez, enjaillons-nous. Tadakimas, je sais pas ce que c'est. Des graines de wasabi, tu crois Ah, peut-être du thé, du coup. Peut-être du thé matcha. En rapport avec euh, de la drogue. <laughs> tu me dis de la drogue et je... Alors, je pense que c'est totalement des petits sachets de thé. En rapport euh, à la cérémonie du thé. Alors, c'est du thé noir. Hein. Je ne suis pas hyper fan non plus. Je, je goûterai. Tiens, merde, d'ailleurs, euh, j'ai laissé ma. Je, je goûterai ça, je vous dirai ça. Euh... Bah. Le truc c'est que les deux, les deux principaux thés, en tout cas que j'ai bu quand je suis allé au Japon, c'est le, le thé noir et le thé matcha. Le truc c'est que j'aime ni le thé noir ni le matcha. Oui monsieur le gendarme, c'est cette streamette, mais ça va. C'est rare la musique qui pourrait me donner des envies de violence, mais le poussin piou rentre carrément dans cette catégorie. Tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, on prend celle-là. On va probablement avoir du Pokémon. Hein. Dans la boîte, on a toujours du Pokémon. Ah bah, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde Alors, attendez. Euh, Mini Towel. Voilà. Euh, je sais pas ce que c'est, un towel. Alors je explique toujours l'anglais aussi, aussi well. Hein. Par contre, il y a plein de trucs. T'inquiète, avant la fin de la chanson, il y a le tracteur dans le coussin. Alors, visiblement, on peut avoir un truc. Tu sais ce que c'est bah, Je sais pas, il ça... y a une sur l'image des petits carrés genre un peu cotonneux. Je sais pas, une petite serviette. Serviette, ok. Donc... Techniquement, on peut avoir une serviette Pikachu, euh, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, Rondoudou, Psychoquac, euh, Ectoplasma. Attendez, parce que je suis à fond dedans là, je révise en même temps pour euh, la session Pokémon. Miaous, que vous pouvez donc voir ici. Et de l'autre côté, on a Magikarp, Ptitar, Putain, celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Mew, une Pokéball, euh, une Game Boy. Alors, je demande pronostic sur le numéro 11 et le numéro 12. Excusez-moi, je vais arrêter de bouger. Donc, le 11 et le 12. Enfin. Qu'est-ce que c'est ça pour vous Ça, je dirais peut-être. Ouais, non, en fait, j'en sais rien. Excellent, mais c'est chelou, il aurait fait tirer la langue. Osler ou à la limite, je suis d'accord, mais ça, c'est quoi C'est... Alors là, euh, je sais pas. Bon, J'espère qu'on ne va pas tomber sur celui-là. Métamorphe Il a un vieux sourire comme ça, Métamorphe Il y a une petite bouche qui fait... <laughs> ah oui, Métamorphe, pardon, je n'avais pas vu. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ça. Comme une sauvage. Alors, bon, si on a du bol... J'aimerais bien avoir Salamèche parce que je kiffe Salamèche. La Pokéball parce que c'est rigolo. Mais sinon, euh, Ou Ronflex, ce serait un bon troll. <laughs> je fais imitation. Là. Alors attention. Oh merde, on va voir le truc. Alors c'est soit Mew, soit le truc indéterminé. Putain, j'espère que c'est Mew. Oh oui, on a Mew. Putain, t'as raté le pire quoi. Eh bah ben, euh, on a on a Mew. Alors on voit très mal, mais en fait, euh, mais en fait on voit très bien. C'est qu'il n'y a vraiment que des yeux. Hein. Euh, voilà. C'est pas très grand. Peut-être à la limite une petite serviette à main pour mettre à côté euh, de, de mon évier de salle de bain pour quand je me lave les mains. Comme ça je peux me je peux me sécher les petites mimines. Mais ouais. Bon, écoutez mieux. Allez. Ah bah ben, c'est dans l'autre sens en fait. Très bien. Alors, vous n'allez pas voir, mais... Ah si, il y a une petite délimitation, à voilà, avec ces petites oreilles-là. Euh, voilà, hein, une petite serviette Mew. on est content. Allez, on est content. C'est mignon. Pourquoi pas. Après, alors, il y a un truc mou. Il y a une boîte, allez. Je tente le truc mou. Ok, une peluche euh, One Piece, à effigie de Luffy. Ah putain, d'accord. Je pense que ok, c'est un mashup. Euh... C'est pas moi le truc mou. C'est un espèce de mashup entre Luffy et les comment ça s'appelle Putain, je me rappelle plus. C'est des statues, euh... enfin des petites, euh... des petites. Euh... Merde, j'en ai pas ramené, je crois des petites euh, statuettes là, euh, petites figurines japonaises ou en gros, euh, je pense que vous voyez putain, où est-ce que je peux retrouver ça Il faut que je trouve, euh, faut que je retrouve le nom. Ou en gros, vous avez, euh, bah, pas du tout ça, c'est rouge comme ça, avec un visage, les yeux sont pas, ils sont blancs. Pas les poupées russes, c'est typiquement euh, japonais. C'est rouge, exactement pareil, sauf que bon, il n'y a pas la cicatrice sur le bidou, hein, parce que ça, c'est pour Luffy. Vous avez un visage avec des grands yeux, une bouche. Euh, c'est tout blanc. Et en fait, le, le délire, c'est qu'à la nouvelle année, on en achète et euh, on fait un vœu. Et pour que le vœu se réalise, on colorie les yeux. Oh, il y a des petites billes. Il a des billes au cul. J'adore. <laughs> Elle est toute douce par contre, mais euh... ouais non mais c'est pas <laughs> un coloriage. Euh, on regardera après, ce sera marqué dans la notice. D'accord. Bon, ben un petit. Euh... Ok. Pourquoi pas. Je suis pas hyper hypée, mais pourquoi pas. C'est rigolo. En fait, le truc mou, tu aimes. Non mais je sais pas, c'est rigolo. Moi j'aime bien les trucs avec les petites euh... les petites billes, les, les petites billes là dedans. Ça déstresse. Bon, on a une grosse figurine. Un truc là. Qu'est-ce que c'est Oh Boîte en métal. Elle est un peu abîmée. Dommage. Avec le mont Fuji. Enfin, je suppose que c'est le mont Fuji. Ah, bah, une boîte à thé. Bah, c'est très bien. Ça va avec le thé. Ah, ça, c'est cool, par contre. Une petite boîte à thé. Ça c'est sympa. Moi qui en bois beaucoup du thé frais, ça je vais pouvoir le mettre dedans avec le petit euh, pour cacher la drogue, c'est ça, avec le petit truc en plastique histoire que ça euh, que ça sèche pas. Elle est mignonne en plus la boîte. Ouais. Ça ça je suis contente. C'est plutôt cool. Petit produit Jap là, moi j'aime bien. Donc hop, vous avez euh, un petit un petit nozio. Mon prochain achat, prochain investissement, c'est changement de webcam. C'est pas terrible. C'est vite flux, je trouve. Ouais, très contente. Ça, c'est cool. Je peux voir direct mettre du thé dedans. Parfait. Alors, il nous reste une figurine et une autre boîte. Je t'en propose si t'en veux. Non, merci. Non, merci. Alors, une grosse boîte. Ah, une webcam. Salut GTB Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup. Du... Oula C'est lourd. C'est made in Japan. Je regardais juste sur, sur au cul s'il n'y avait pas un Pokémon euh, Pokémon machin, là, vu qu'ils aiment bien nous filer des trucs Pokémon. Ah, un modèle Ouais, bah écoute, je regarderai. Oh, bah voilà Putain, trop bien Alors, c'est une tasse à thé, enfin c'est une tasse, c'est un petit bug à thé d'un manga. Euh, Qu'à la fois je trouve très cool et absolument horrible, dans le sens où l'histoire est absolument hypante de A à Z, mais la voix du héros, que ce soit dans la VO ou dans la VF, euh... t'as juste envie de te tirer une balle, mais c'est cool, je suis contente. Non, c'est pas Naruto. Allez, qui dit mieux One Punch Man, non, il y a une traite qui pue la merde dans One Punch Man Je sais pas, j'ai pas. Euh... Alors c'est un shonen qui est pas... mmh, je pense pas qu'il fasse partie des shonen hyper-méga connus. Pour ceux qui aiment les, qui aiment les mangas, euh, tout ça, il y a moyen que ce soit connu, mais... Non, ce c'est pas, euh, pas Bleach. One Punchman serait le qui fait la voix oh, Ça doit être plutôt pas mal. Toriko, non, c'est pas dans la bouffe. One Piece, non, moins connu que ça. Euh... Comment... On... Quel indice je peux vous donner? Euh, ça parle de grimoire, ça parle, euh, ça parle de grimoire, ça parle de magie. Euh, ça parle. Euh, ouais, de, de grimoire, de magie, de magicien, des grémanes, non, c'est pas des man. Black clover, yes! C'est ça. On a une petite. Putain, elle est vachement lourde, elle est hyper cool. Hop, avec euh, l'écusson du coup, de, de la compagnie dans laquelle il fait partie. Je crois que c'est Taureau Noir, un truc comme ça. Et on a donc Asta, Astra, je ne sais même plus comment il s'appelle, Asta, ouais. Alors, Black, Lover, ou Black Clover, pardon, pas Black Clover, euh, j'aime beaucoup, enfin j'ai commencé à regarder, je n'arrive pas à continuer, euh, à continuer cette série. Clairement, la voix de ce monsieur est absolument insupportable. Je, je ne peux pas, et tout le temps, en train de gueuler là, C'est, je ne peux pas. Je ne peux pas. En japonais ou en, ou en français, hein, je t'avoue que pour le coup, euh, je regarde les mangas en version originale, euh, je me suis tiré une balle dans l'oreille. J'ai voulu tenter la VF. c'est aussi pire. C'est horrible. Ouais, limite, il faudrait que je les mate en scan ou que j'essaye de, de les acheter. Mais, euh, mais ouais, franchement, enfin, voilà, petite... Euh... Je suis très contente. Du coup, ça c'est hyper cool. Donc là, on a quand même un bon petit. Euh, on a le thé, on a la boîte de conservation, on a. Euh, ouais, on a la tasse qui est bien épaisse en plus. Donc pour une fois, je vais peut-être réussir à pas me brûler en, en prenant mon thé. Et ça, euh, c'est hyper cool. Ouais, je suis, je suis très contente pour le coup. Et il nous reste donc le dernier item. Euh, avec le thé noir qui est rangé dans sa boîte. Non, mais c'est ça, c'est cool. Enfin, franchement, c'est un bon combo. Il nous reste donc le dernier item qui est la figurine. Enfin, je pense que c'est une figurine. Hein. Clairement, euh, vu la taille, on va virer ça. Je vous laisse voir ce que c'est avant moi. Oh là Oui, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça Hatsune Miku. Eh bien, je ne sais pas qui c'est. Ça a l'air très mignon, mais je ne sais pas qui est cette personne. Ça sort douce ça Hatsune Miku Elle a l'air extrêmement jolie par contre, mais je ne sais pas. C'est quoi Je sais absolument pas de quoi ça sort. C'est celle qui danse avec le poireau <laughs> Quoi ah, Je connais que canard tichot, moi, avec un poireau. Je ne sais absolument pas qui c'est. Alors là, euh... attendez, je vais me permettre un instant de googler. Non, non, on voit pas de lien, on voit pas de lien. Tu vas être euh, tu vas être kick. Hatsune Miku. Concert, quoi Ah mais c'est le truc... Euh... Bah attends mais elle a une tête toute kawaii, elle ressemble pas du tout à la boubzilla qu'il y a sur Google. Euh... D'accord. Ah c'est l'espèce de logiciel, là. Enfin, le personnage qu'ils ont créé pour, euh... pour le logiciel. Mais elle est toute... Euh... Bah, elle est toute mignonne euh, là-dessus. Deuxième saison, winter vert. Ok. Eh bah, bien, écoutez, euh, voilà. Hein. Je vais la laisser dans la boîte, je pense. Ce sera pour euh, éventuellement un lot pour le concours Tipeee. S'il y a des gens qui sont intéressés. Sachant qu'au niveau des, figuristes, il me re... des figurines, il me reste encore. Bah, du coup, il me restera celle-ci. Et euh, celle d'une de... bah, des premières box qu'on a, au... qu a ouvert là. Euh, sur. Merde, Sword Art Online. Il me reste la Jacqueline en ondine là. Écoutez, je vais la garder totalement. Ce sera pour vous si... si on arrive à atteindre le palier du Tipeee. Cette musique est dans Just Dance. Ah d'accord, bah, je ne fais pas Just Dance donc c'est peut-être ça que je ne connais pas. Allez, le petit formulaire, on va se faire un récap. Hop, hop. Alors, nous avons donc eu en Prums le petit T, donc T japonais Oshiwa, euh, le... Oh putain, Ojisha, pas du tout Oshiwa. Le hojicha est un thé originaire de Kyoto réalisé par torréfaction du thé vert et hum, en le grillant à très haute température. Le hojicha est très apprécié par les japonais grâce à sa serveur boisée et son taux faible de caféine. Parfait pour déguster lors des soirées d'hiver pour vous relaxer. Allez, après nous avons donc eu notre magnifique serviette de poche Mew. Bien pratique, voici une collection de serviettes issues du jeu Smartphone Pokémon Quest. Cette serviette présente le visage d'un Pokémon avec le style graphique cubique, bien particulier au jeu. Avoir les mains bien propres avant de déguster son thé, c'est important. Donc tout est lié au thé, en fait. C'est excellent, bon à part la Jacqueline. Hein. Putain, c'était un Daruma, c'est ça Peluche Luffy Daruma, prends le toi sur Switch gratuit, il est sympa. Ok, je, je regarderai. Il faut avoir l'abonnement, je pense. Je regarderai quand je me prendrai l'abo. Les fans de One Piece et les amateurs de culture japonaise seront ravis de retrouver cette magnifique petite peluche de Luffy en forme de Daruma dans la box du mois. Donc c'est comme je vous disais, euh, le, le, oui non mais d'accord c'est gratuit mais pour euh, accéder au store il faut avoir, euh, faut avoir l'abonnement non? Le Daruma, donc c'est le... Ah, ça. Voilà, c'est ça que je cherchais, nickel. Ils ont les photos. Vous voyez C'est ça. Et donc du coup, à la base, quand on les achète, euh, leurs yeux ils sont blancs. On fait un vœu et hop, on colorie les yeux. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais allée au Japon. Euh, en début d'année, on retrouve souvent des Daruma dans les temples et les sanctuaires. Ce dernier, euh, ces derniers font office de porte-bonheur et permettent de faire des vœux pour l'année à venir. Voilà. Petit euh, luffy d'Aruma. Après, nous avons donc eu la boîte à thé Washi, qui est vraiment sympa aussi, avec une jolie, euh, une jolie boîte recouverte de papier Washi japonais. Vous allez pouvoir conserver votre thé dans les meilleures conditions. Vous pouvez aussi bien le placer dans des sachets de thé, comme ceux de votre box, ou en thé en vrac. Le dessin du Washi représente le Mont Fuji, symbole indissociable du Nouvel An. Ah non, ça sert juste au multi, il n'y a que Fortnite où tu peux pas jouer sans labo. D'accord, mais je n'ai aucune intention de jouer à Fortnite sur la Switch. Donc tout va bien. Après nous avons donc eu le Yumomi Black Clover qui est vraiment vraiment hyper cool pour le coup. Vraiment génial. Euh, le Yumomi est une tasse en porcelaine utilisée au quotidien au Japon pour déguster le thé ce mois-ci. Ce n'est pas n'importe quel Yumomi qui se trouve dans votre box, mais la version Black Clover fabriquée près de Kyoto. Les motifs sont gravés et représentent le personnage principal, Asta, ainsi que le blason de la compagnie Taureau Noir Odo, édition limitée exclusive à la Neon Box. Ouais, donc c'était ça, Taureau Noir. Elle est vraiment chouette, hein Et oui, bon, vous, pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas toucher. Mais euh, c'est gravé dans le dedans. C'est tout euh, gros, gros, gros. C'est tout granuleux. J'aime bien. C'est cool. Vraiment cool. Et donc, du coup, la figurine. Figurine Hatsune Miku, version hiver, deuxième saison, winter vert. Ce mois-ci, la jolie chanteuse virtuelle Hatsune Miku s'est glissée dans votre box. Euh, pour ne pas faire les choses à moitié, c'est avec une magnifique figurine tout juste dit disponible au Japon qu'elle a choisi de faire son apparition. Cette statuette représente Atsunemiku en vêtements d'hiver dans sa dernière version. Alors je vous la montre là. Je vais pas casser la boîte. Hein. Hop. Est-ce qu'on va réussir à voir... Voilà. Elle est très très mignonne je vais pas. Euh, je ne vais pas l'ouvrir parce que euh, bah, du coup... Je, je... Ça va me faire encore un attrape poussière. Je vais la laisser dans sa boîte, mais elle est très très. Euh... T'es trop fan. Mais enfin, ouais, elle est magnifique. Ouais, non, franchement, elle est très très jolie. Par contre, hein. euh... même au niveau des détails, euh, ça a l'air d'être franchement franchement. Euh... Elle, est... elle est, très très mimi. Vraiment très très mignonne. Elle a une petite auréole et tout sur la tête. Euh... C'est choupi. Elle est choupinoupinou pinou. Oui. Ah, tu vois la seule figurine que j'ai gardée des Neon Box pour l'instant mais c'est parce que j'adore euh, la série c'est celle de Ram euh, en mode chaperon rouge qu'on a eue il y a quelques mois de ça c'est elle est vraiment euh, elle est vraiment super belle même le socle euh, même le socle est beau Non vraiment. Euh... Eh bien écoutez, voilà qui conclut euh, cette première neon Box de l'année. Je vous donne donc rendez-vous. C'est bizarre dit comme ça. Euh... Ouais, c'est bizarre dit comme ça, gamer. <laughs> Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle neon box. Avec encore plein de trucs euh, dedans. Voilà, moi je vais aller ranger tout ça. clubs Je vous fais des bisous. Et du coup, euh, bah, fin février, je pense. Mi-fin février pour la prochaine box. Ah oui, à savoir que, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai ouvert une page Tipeee. Pour ceux qui veulent, ceux qui sont curieux, tout ça, euh, sachant que j'ai mis un espèce de, de sub-goal dessus euh, et que la personne qui... Enfin, il y aura un tirage au sort parmi euh, les tippers, du coup ça remplace euh, les dons et les subs vu que je suis pas affilié et que Paypal c'est de la merde. Euh, et du coup, bah, par exemple, si vous gagnez le tirage au sort et que vous souhaitez acquérir cette petite chose, eh bien, je peux totalement vous l'envoyer chez vous, voilà, euh, vu que je ne vais pas la garder chez moi. Ou cette petite chose, voilà, que je pense que je ne vais pas garder non plus, etc., etc. Enfin, en gros, vous choisissez l'item que vous voulez. Ça, c'est la première info, vous avez le lien qui est euh, disponible juste en dessous. Et euh, <laughs> mon adresse. <laughs> Et la deuxième information, c'est qu'il y aura un deuxième unboxing ce mois-ci. S'il est cool, j'essaierai de le maintenir tous les mois. Euh, je me suis commandé, euh, c'est la hit e Box Génération 90. J'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Euh, C'était un petit peu mon petit cadeau de Noël. Euh, voilà, j'aime bien les unboxings. C'est plein de petits cadals. Donc. Euh Normalement, elle est en route, je devrais la recevoir cette semaine. Donc, pareil, dans la semaine, il y aura probablement une deuxième petite session unboxing euh, où on fera un peu d'infidélité à Nyonbox. Euh, mais on retrouvera quand même Nyonbox euh, le mois prochain. Voilà Sur ce, je vous fais de gros poutous. Et je vous dis euh, rendez-vous en février pour la prochaine Nyonbox. Voilà